Bonjour et bienvenue dans Un miracle chaque jour. Le miracle du jour vous est apporté par Bruno Picard. Bonne écoute. Bonjour mon ami. Le miracle du jour a pour titre « Porter la montre de Dieu ». Ceux et celles qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les montres, ainsi que l'idée même de la montre. J'aime le travail de minutie, de précision exigé pour réaliser une belle pièce d'horlogerie. Mais mon ami, l'important est que nous cherchions à comprendre le timing de Dieu. Si nous voulons surmonter les obstacles sur le chemin de notre destinée, il nous faut apprendre à nous caler sur son heure. Le psaume 91:1 nous dit « Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. » Certes, se reposer à l'ombre du Tout-Puissant fait référence à la protection qu'offre notre Papa Céleste. Mais cela nous parle aussi de notre capacité à comprendre et à vivre dans son timing et ses directions. Lorsque nous sortons de son ombre, c'est que nous avons dévié ou que nous avons changé de vitesse. De même, si nous ne sommes plus sous son ombre, nous ne pouvons plus être en phase avec lui. Apprenons à attendre dans sa présence, car être patient, c'est porter la montre de Dieu à son poignet. Le lieu secret nous garde en phase avec les battements de son cœur. Le lieu secret nous aligne avec les directions que révèle son regard. Mon ami, il sera impossible de faire ce que Dieu attend de vous si vous ne vous attendez pas à lui. Aujourd'hui, plus que jamais, je vous invite à accepter que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Cherchez à écouter attentivement et à découvrir le tic-tac de Dieu. Lui, il vous guidera et vous montrera ce qu'il a prévu. Et votre confiance en lui vous aidera à attendre le moment divin. Comptez sur mes prières, mon ami, comptez sur mes prières. Merci d'exister. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Un miracle chaque jour et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de ma prochaine vidéo. Merci d'exister.